Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. Léo passe la nuit chez Caillou. Caillou et Léo jouaient aux dinosaures. À table, Caillou, à table. Avez-vous aimé la tarte aux brontosaures? Très bien, les deux dinosaures, vous pouvez aller jouer maintenant. Mais n'oubliez pas que Léo doit rentrer bientôt. S'il vous plaît. Désolé, les enfants, il est déjà tard, l'heure du coucher approche. Est-ce que Léo pourrait dormir ici? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi pas, après tout, qu'est-ce que tu en dis? D'accord, mais il faut d'abord que les parents de Léo acceptent. Hourra! Oui, d'accord. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Ils ont dit oui. C'est comme en camping. Tu vas dormir sur ce matelas à côté de Caillou, Léo, ça te va? J'adore faire du camping. Tu vas être très bien là. Caillou aurait bien aimé camper dans sa chambre, lui aussi. C'est moi qui vais dormir dans le sac de couchage. Non, moi je préfère le sac de couchage. Léo est l'invité, chérie, on doit le laisser choisir. Je vous ai sorti deux serviettes et une jolie brosse à dents toute neuve pour Léo. Moi aussi, je veux une brosse à dents toute neuve. Désolé, Caillou, je n'en ai qu'une. Mais Léo pourrait prendre ma brosse à dents. Ce n'est pas une bonne idée d'échanger ses brosses à dents. Léo est l'invité, on doit lui donner la nouvelle brosse. Caillou trouvait cela injuste, que l'invité ait droit à toutes les faveurs. Je veux mon pyjama avec le tigre. Tu peux emprunter un des pyjamas de Caillou pour cette nuit. Je dors toujours dans mon pyjama avec le tigre. Je veux rentrer chez moi. Caillou était inquiet de voir son ami tout triste. Il pensa à une chose qui lui ferait sans doute plaisir. Tu peux avoir mon pyjama avec un dinosaure si tu veux. C'est vraiment gentil de ta part, Caillou. Tu es plus content comme ça, Léo? Caillou et Léo avaient décidé de porter le haut du pyjama avec le dinosaure, chacun leur tour. Hey, vous êtes rigolos avec vos pyjamas. Au lit maintenant. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, Léo. Et à demain matin. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Caillou et Léo avaient fini par trouver le moyen de camper ensemble. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Allons jouer au parc. Caillou était impatient de voir arriver Mademoiselle Martin, qui avait décidé de les emmener, lui et ses camarades, s'amuser au parc. Caillou! 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 Bonjour Léo, bonjour Clémentine. Au revoir maman. Allez. Tu reverras Caillou tout à l'heure, ma chérie. Au revoir Caillou. Et maintenant en route. On est arrivés.
Tamara, Clémentine, Xavier, Emma, Caillou et Léo, nous allons jouer à un nouveau jeu. Caillou était curieux de savoir de quoi il s'agissait. Mademoiselle Martin proposait toujours des jeux amusants. C'est moi qui vais gagner! Non, c'est moi qui vais gagner! On fait la course? S'il vous plaît. Qui aimerait jouer à un nouveau jeu? Moi! Moi! Bien! Aujourd'hui, nous allons jouer en équipe. Toi et moi, on va être dans la même équipe. On ne sait pas avec qui on fera équipe. Ce sera une surprise. Je vais piocher dans cette boîte pour savoir quelles seront les équipes. D'accord? D'accord! La première équipe sera composée de Xavier et Emma. Ensuite, ce sera Léo et Clémentine. Caillou était déçu que son meilleur ami Léo ne fasse pas partie de son équipe. Puis Mara et Caillou. Et voilà, nous allons faire une course de relais. Chaque équipe reçoit un sac de haricots. Cette corde fera une excellente ligne de départ. Merci Léo. Merci Clémentine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voici comment fonctionne une course de relais. Les deux membres de l'équipe portent le sac chacun leur tour. Le premier ou la première qui revient à la ligne de départ avec le sac a gagné. C'est moi qui vais gagner. Nous verrons ça. Mara, Clémentine et Emma, allez vous mettre sous l'arbre là-bas. Dès que votre coéquipier vous a passé le sac, vous revenez en courant. Je peux courir vite. Moi, je peux courir encore plus vite. Attention, les garçons, vous êtes prêts? À vos marques, partez! Vas-y, Caillou! Par ici, Caillou! Caillou se concentrait tellement fort qu'il avait oublié de donner le sac à Mara. Mara a raison. L'équipe gagnante est donc celle qui avait le sac jaune. Clémentine et Léo. On a gagné! On a gagné! Caillou était mécontent qu'ils aient perdu à cause de lui. Et si on joue encore une fois? Si vous voulez. Caillou était ravi d'avoir une deuxième chance. D'accord! Et cette fois, c'est nous qui allons gagner! Oui! Faire partie de notre prochaine course? Quelqu'un a une autre idée? On pourrait faire glisser les sacs sur le toboggan? C'est une excellente idée! Alors d'abord, vous devez faire glisser les sacs sur le toboggan. Ensuite, chaque coéquipier fera le tour du bac à sable avant de revenir au point de départ. Oui! Cette fois, les filles vont commencer. Les garçons, vous allez attendre les sacs qui vont glisser. Vous êtes prêts? À vos marques, partez! C'est facile! Wow! Dépêche-toi, vas-y, Caillou! Ce n'était pas aussi facile qu'il n'y paraissait, mais Caillou était déterminé à réussir. L'équipe avec le sac vert est arrivée en premier. Emma et Xavier sont les gagnants. Caillou était fier d'avoir réussi à faire le tour du bac à sable. Gagner la course ne lui semblait plus aussi important.
Félicitations, les enfants. Vous avez vraiment tous bien joué. Je vous ai apporté une surprise. Je me suis dit que vous aimeriez avoir vos propres sacs de haricots. Ces haricots-là étaient définitivement les haricots préférés de Caillou. Et il connaissait quelqu'un d'autre qui les adorait. Mousseline veut aussi. Il faut qu'on fasse la course avant. Tu me donnes ton ballon et toi tu te mets prête ton coffre à jouets, d'accord? Caillou voulait montrer à Mousseline le nouveau jeu qu'il avait appris. Maman, tu dis partez. Ah oui, d'accord. Partez. Apporte vite le ballon à maman. On a gagné. Notre équipe a gagné. Hourra. Quelques-uns pour toi. Quelques-uns pour moi. Et ça, c'est pour toi. Oh, merci Caillou. J'ai bien aimé ce jeu. Est-ce qu'on peut y rejouer? Non, on peut pas. Mais pourquoi donc? Parce qu'il ne reste plus de bonbons à gagner. Le bon sirop d'érable. Jonas avait invité Caillou et sa famille à passer la journée au ranch. Caillou aimait le bruit que faisaient les clochettes accrochées aux chevaux. Ding, ding, ding! Regardez, il y a des seaux accrochés aux arbres. Eh oui, tu as raison. Allons voir ça de plus près. On dirait de l'eau, mais c'est de la sève. Le tronc de l'érable contient de la sève et cette sève coule par ce petit trou. Caillou était surpris d'apprendre que les arbres contenaient de la sève. Aimerais-tu y goûter? Mousseline aussi. On fait plein de choses à partir de la sève. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, un tas de choses délicieuses comme le sirop d'érable, le sucre d'érable. Oh, et j'oubliais le beurre d'érable. D'abord, on doit recueillir de la sève. Est-ce que je peux t'aider? D'accord, mon grand. Va mettre ça dans le traîneau, s'il te plaît. Est-ce que je peux verser? Bien sûr, mais vas-y doucement. Tu as fait du bon travail. On va emporter la sève à la cabane à sucre et la transformer en toutes sortes de choses délicieuses. Et voilà, maintenant nous avons du sirop d'érable. Wow! Caillou n'en croyait pas ses yeux. Toute la sève qui ressemblait à de l'eau s'était transformée en un épais sirop. Est-ce que je peux y goûter? Non, c'est encore beaucoup trop chaud. Et en plus, je dois le laisser bouillir plus longtemps. Je vous prépare une surprise. Il y a une table spéciale dehors. Est-ce que vous pourriez aller la préparer? Entendu. Je vais m'en occuper. Je vais y aller! Mousseline aussi! C'est très bien, Caillou. On aura bientôt terminé. Il faut aplatir la neige. C'est parfait. Attention, c'est très très chaud. Pourquoi est-ce qu'on verse le sirop sur la neige? Pour qu'il refroidisse très vite. Tu vois, au contact de la neige, le sirop durcit et devient de la tire. Tiens, prends un bâton, mon grand. J'ai bien l'impression que c'est la meilleure tire que j'ai jamais mangée. C'est à mon tour. Moi aussi, j'en veux. Miam, c'est un véritable délice. Veux-tu que je te donne un coup de main, Caillou? Caillou était bien décidé à attraper la tire d'érable tout seul. Il avait vraiment hâte d'y goûter. Mystère en hiver. Hé, hey, attends-moi, papa! Caillou, tu n'as pas terminé de t'habiller. Là, je suis prêt.
La nuit précédente, un vent très fort avait fait tomber la mangeoire des oiseaux, mais papa l'avait réparée. Voilà, j'ai fini de la réparer. On peut la remplir. Est-ce que je peux le faire? C'est très bien, les oiseaux vont être contents. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils vont revenir dès qu'on aura raccroché la mangeoire. Regarde, il y en a qui sont déjà revenus. On voit leurs traces. Caillou était étonné de voir que les oiseaux pouvaient laisser des traces dans la neige. Tu as des visiteurs, Caillou. Va voir, ils sont en train de faire le tour de la maison. Caillou était content de voir les jumeaux. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Jonathan. Restez bien dans le jardin, là où on peut vous voir. D'accord, papa. Regardez, des traces de pattes d'oiseaux. Je peux faire des traces plus grandes que ça. Si on marchait les uns derrière les autres. Suivez-moi. Regardez. Caillou se demandait qui avait bien pu laisser ces traces, qui étaient plus petites que les siennes, mais plus grandes que celles de pattes d'oiseaux. Venez, on va suivre ces traces. C'est drôle. Elle s'arrête là. Caillou était vraiment intrigué par les traces. Ça alors, c'est bizarre. Touché. Oh, c'est toi le chat, Caillou. Qu'est-ce qui pouvait bien faire tomber toute cette neige? Un écureuil! Il descend, il vient par ici. Regardez, c'est lui qui a laissé ses traces. Caillou était ravi d'avoir résolu le mystère des traces dans la neige. Il veut s'amuser. Hé, hey, attends-nous! Caillou, Sébastien et Jonathan étaient fatigués de suivre leur nouvel ami qui, lui, débordait d'énergie. Ah! On fait des anges? D'accord, bonne idée. Vous avez vu? L'écureuil aussi fait un ange. Caillou, Sébastien et Jonathan décidèrent de faire d'autres anges. Ils étaient tous magnifiques. Le fort. Caillou adorait la neige. Il avait très hâte d'aller jouer dehors. Maman, regarde toute cette neige. Neige! Et que diriez-vous si après le petit déjeuner, je vous emmenais faire une promenade au parc sur votre luge? Oui! Nous voilà partis. Plus vite, maman. Ah, je vais essayer. Accrochez-vous. Oh, je suis désolée, c'est trop dur. La neige est très épaisse et vous êtes lourd à tirer. Mais moi, je peux t'aider. Oui. Oui, bien sûr. Ah. André était un très bon ami de Caillou. Ce n'était pas facile pour Caillou d'escalader ce gros tas de neige. Regarde, Caillou, j'ai gagné. C'est moi le roi du château. Caillou était arrivé au sommet du tas de neige. De là, il pouvait voir tout le parc. On peut faire un fort. D'accord. Caillou ne savait pas très bien comment ils allaient bâtir leur fort, mais il était d'accord pour essayer. On va
Comme ça, notre fort sera plus haut. Caillou voulait montrer qu'il était capable d'aider André. Hé, vas-y doucement, Caillou. Ne tape pas trop fort quand tu aplatis la neige. Essaie de l'autre côté. Waouh! Oui! Et voilà, maintenant il faut qu'on fasse des balles de neige. Pour les lancer contre les méchants, je vais t'aider. Caillou! Hé, Sarah, bonjour! Bonjour, est-ce que je peux jouer avec vous? D'accord, mais alors c'est toi la méchante! Attendez, c'est pas juste, je n'étais pas prête. On fait la paix, on n'a plus de balles de neige! Alors on pourrait continuer de construire le fort? Oh, quel beau fort vous construisez là, on peut vous aider? Caillou se dit que c'était la plus belle journée d'hiver qu'il ait jamais passée. Grand-mère, qu'est-ce que je m'amuse bien avec ma grand-mère. On part observer les oiseaux. Grand-mère adore faire du bricolage et de la peinture. Ensemble, on fait de la musique. J'adore aller dormir chez elle.